Nog één wedstrijd en dan zit onze eerste sessie van dit jaar in de Proximus E-Pro League erop. Waarbij we dus ervoor geopteerd hebben om de Franstalige en Nederlandstalige commentatoren met elkaar samen te voegen. Arsène, c'était chouette, hè? Ah, quelle journée, hein? Vraiment une très bonne journée. Une première journée remplie d'émotions, remplie de buts. Et on va sûrement la terminer en beauté aussi, hein, Mathias. Ja, we gaan in schoonheid eindigen. We gaan dat doen met de wedstrijd van Sporting Charleroi tegen Zulte Waregem. En daarin gaan we een duel krijgen van twee spelers die van reservespeler zijn gepromoveerd tot de hoofdspeler. Oui, maintenant on va un petit peu les rendre hommage parce que ce sont des joueurs qui étaient l'année passée des joueurs réservistes des deux équipes ici présentes et désormais ce sont des joueurs dits titulaires. Bij Charleroi gaan we de intrede krijgen van Nathan Bonafini en B is een gamertag. Mocht vorig seizoen een paar keer inspringen voor Didista. Didista die tegenwoordig zowat de e-sports manager is geworden bij Sporting Charleroi. En dus een van de begeleidende mensen is van Nathan binnen de club van Charleroi. En aan de zijde van Zulte Waregem is Jordi van Rijkegem doorgeschoven. Jordi was vorig jaar een paar keer de vervanger van Renzo uit Nederland. En nu mag Jordi het gaan doen voor Zulte Waregem. C'est ça, là maintenant ils vont faire leur grand début dans cette e-pro league pour ce dernier match de la première journée d'e-pro league. On espère qu'ils vont terminer aussi en beauté parce que depuis le début de la journée, on a eu vraiment des matchs vraiment incroyables et l'avant-dernier match nous a réservé une rencontre absolument époustouflante qui s'est terminée sur un 4 buts partout. Voyons voir un petit peu ce que les joueurs ici vont nous montrer. Ah, en ook een leuke, u zag bij de webcam van Zulte Waregem waar dus Jordi zit, ziet u ook iemand naast zitten, dat is niemand minder dan Nicolas Persoons, Nikom, die ooit nog speler was voor AA Gent en die eigenlijk bij Zulte Waregem is gekomen als reservespeler voor Jordi en een beetje ook als coach. Oui, c'est ça. Voilà, il aura un petit peu les deux cartes, hein, c'est-à-dire à la fois être le joueur réserviste et le coach lorsque Jordi jouera. On le voit ici là déjà là, juste à côté du joueur de Zulte Waregem en train de le prodiguer quelques conseils. On sait que Nikom est un joueur qui a de la bouteille, c'est un joueur qui a de l'expérience. On espère qu'il pourra bien conseiller son joueur, hein, cette fois. Een aantal leuke dingen nog om mee te geven wat betreft de opstellingen van beide spelers, want zij kiezen toch voor een aantal aparte namen en opstellingen, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld, als we kijken, Arsène, naar de opstelling van Charleroi. Nathan Bonafini begint eigenlijk in zijn basiselftal met Tejan Buchanan centraal achteraan. Dat is al bizar. En daarnaast kiest hij voor Noah Fadiga, de zoon van speler bij Stade Brestois, als basisspeler. Ah oui, c'est vrai. Hein. On peut parler de la composition de Charleroi qui a commencé directement avec Tejan Buchanan en tant que défenseur central. Donc, il n'a pas du tout le collectif. À mon avis, il y aura un petit changement de formation pendant le match. Et comme l'a très bien dit Mathias, il va jouer également avec Noah Fadiga, le fils de Kalilou Fadiga. En aan de zijde bij Zulte Waregem zien we de intrede van Ruud Gullit, de enige speler die tot nu toe de Nederlandse centrale middenvelder in zijn startopstelling weet te zetten. Dus wat dat betreft de debuut van Ruud Gullit in de Proximus E-Pro League. Ah oui, ça fait du bien de voir un Ruud Gullit commencer dans notre championnat. Il n'y a que sur FIFA malheureusement que l'on peut le voir, mais c'est un grand joueur, c'est un très bon joueur, surtout sa carte Totti qui est vraiment formidable, qui a la capacité à la fois d'attaquer et de défendre. C'est l'un des meilleurs joueurs. Attention peut-être ici, l'attaque ici avec la passe en retrait de Yaya Touré, mais bien intercepté par les défenseurs de Zulte. En Perisic kan uitvoetballen voor Zulte Waregem. Wel opmerken dat het de donker is die in de basis staat bij Charleroi. Dus geen Buchanan centraal achteraan. Dus misschien is er toch nog wat aangepast aan die ploeg. En had uiteindelijk NB door ja, dat Buchanan als centrale verdediger misschien geen goed idee was. Ouais, c'était vraiment pas du tout une bonne idée, je pense. Hein. Il a directement changé, d'après ce qu'on peut voir ici, en mettant Den Donker hors jeu. Oui. Hors-jeu sifflé par monsieur l'arbitre. Voilà, c'est bien Den Donker qui est à la place de Tejan Buchanan. C'est vrai que sinon, ça aurait été un petit peu étrange de voir Tejan Buchanan commencer en tant que défenseur central pour ensuite se replacer sans collectif et voir plutôt peut-être Yaya Touré en tant que défenseur central. Nou, en bij Zulte Waregem staat dus Leander Den Donker ook in de basiself. Net zoals deze man, u ziet hem staan. Player debut Ruud Gullit bij Zulte Waregem. Ruud Gullit, qui est vraiment un très bon joueur, hein, comme je le disais, capable de couper toutes les lignes des passes, prendre le jeu à son compte de la tête. Attention ici avec Pelé, la frappe écrasée, qui finit tranquillement dans les bras de Courtois. Benieuwd wie de beste start gaat nemen van een van deze twee spelers. Zij willen zich natuurlijk onmiddellijk bewijzen als hoofdspeler van hun ploeg Charleroi of Zulte Waregem. We zitten bij Ronaldo. Gaat hij het spel opentrekken? Doet hij wel degelijk tot bij Perisic. Perisic met een bal tot bij Gullit. Probeert hem door te koppen, maar die komt niet bij Ronaldo en kan Charleroi nu denken aan een aanval. Attention ici, Pelé qui est bien repris, mais le compte favorable pour Charleroi avec Thomas Meunier. Thomas Meunier qui trouve Origi. Origi qui a du mal à se retourner, mais qui réussit quand même à trouver un coéquipier avec Yaya Touré, qui change complètement d'aile sur Capdevila ici-là. Capdevila, op de linkerflank.
Het goede verdedigende werk daar bij Zultewaardigem, maar het is inwerpen voor de Henegouwers. Attention, Salemaker, Scap de Villa. Que va-t-il faire? Il revient, non, il trouve de nouveau Salemaker. Ici avec Kevin De Bruyne, la passe pour Mbappé. Oh, le bel arrêt de Courtois, de nouveau Courtois qui est vraiment un très bon gardien. Ja, ja, was goed daar in de korte hoek, was nodig. Pelé nu, die gaat proberen voorzetten of infiltreren in de grote rechthoek. Dat lukt niet en De Bruyne houdt die bal binnen. En zo kan Zultewaardigem met Jordi denken aan een aanval. Ouais, un Trossard. Qui permet à, et Kevin De Bruyne qui ont permis à Zultewaardigem de se dégager, d'ouvrir un petit peu le jeu, de laisser l'équipe de Zultewaardigem respirer. Mais malheureusement, on voit la perte de balle ici un petit peu bête de la part de Capdevila qui redonne le ballon à Charleroi. Ja, player lock, dat wordt uiteindelijk geannuleerd. Hier is de Donker dus, die in de basis staat. En dan ingeleverd tot bij Trossard. Tikje terug naar Perisic. En kijken, komt er een goede aanval op die rechterkant bij Zultewaardigem of niet? Het gaat centraal tot bij De Bruyne. Er gaat van flank gewisseld worden of niet? Toch maar terug naar die rechterkant bij De Bruyne en Koulibaly. Perisic, qui a le ballon ici, qui la donne à Leandro Trossard, qui trouve De Bruyne, va la passe. Magnifique but, magnifique but. Très belle action fait par de la part de Zultewaardigem et qui finit et qui se concrétise par Divock Origi et qui célèbre comme s'il jouait directement sur la PlayStation. Ja, ja, direct impact met Origi, beter gezegd, in de basis. En zeer rustig gebleven in die aanval. Jordi van Rijkenhem het overzicht kunnen bewaren. En dan toch uiteindelijk gezien dat Origi vrij stond. En we hebben het eerste doelpunt in deze wedstrijd. Enfin, le premier but qui arrive à la 25e minute de la part de l'international belge Divock Origi. Divock Origi qu'on retrouve quasiment dans toutes les équipes, hein, qui a une très belle carte, qui était une carte en fait, si on peut expliquer vite fait avant ça, d'abord cette occasion peut-être, non, attention, le compte favorable, non. Donc je disais Divock Origi qui était un SBC showdown pour la finale entre le Milan AC et l'Inter Milan à Riyad, en Arabie Saoudite, et si le Milan gagnait, il aurait eu un plus 2, il aurait eu 88 au lieu de 86. Oh, wat een goal hier, wat een goal hier, schitterende goal van Zultewaardigem, maar ze wordt afgekeurd wegens, ik denk, buitenspel. Maar wat een aanval was dat. Goeie voorzet van Gullit, afgelegd met het hoofd door Ronaldo. Maar uiteindelijk dus geen tweede doelpunt voor SCV. Oui, toujours 0-1 pour Zultewaardigem, qui mène dans cette rencontre en étant vraiment très calme. Il a un jeu plutôt posé, composé de passes, d'actions courtes, pas trop de dribble inutile, comme cette passe ici, là, la passe, oh, le jeu magnifique. Oh, le poteau, ça méritait mieux, hein, Mathias. Dat verdiende inderdaad meer. Dit was opnieuw een schitterende aanval van Zultewaardigem. Korte tiki-taka, tikjes allemaal. Maar uiteindelijk strandt dus die tweede goal tegen de paal. Dit had inderdaad meer verdiend. Ouais, c'est mal payé, malheureusement. Il aurait mérité mieux, parce qu'il développe vraiment un très beau jeu, hein. Jordi van Rijkenhem, qui a eu une bonne école en s'entraînant avec Renzo, hein. En goed aan de wedstrijd begonnen ook, hè, tegen Nathan Bonafini. Die nu probeert om in dat juiste ritme te komen. Maar de paaslijnen worden goed afgesneden, hoor, door Zultewaardigem. Hey, Charleroi qui montre de belles choses, maar qui bute face à un joueur bien en place. Qui couvre tout le terrain. Notamment avec Ruud Gullit qui prend beaucoup d'espace. Et je pense que voilà, ça fait peur. Hein, ça fait peur. Quand à la fois il y a Capdevila et Ruud Gullit juste à côté, c'est très difficile de passer. Het is nog wat gecrispeerd bij Charleroi. Maar zometeen zal het wel beter worden. Al is dit een goede aanval van Zultewaardigem met Ronaldo. Probeert nog voorbij Meunier te geraken, maar Meunier met een goede bodycheck. Ah, Meunier qui gagne son duel physique face à l'attaquant de Zultewaardigem. Capdevila ici qui va essayer de s'échapper sur son côté, mais qui est très bien tenu par Leandro Trossard qui permet à son équipe tout simplement de récupérer le ballon. Ja, voorlopig kan Zultewaardigem met Jordi de aanvallen van Charleroi goed afhouden. Nog minder dan een minuutje te gaan. Reguliere speeltijd. En voorlopig heeft Jordi de zaken onder controle. Pour l'instant, il a tout en contrôle. Tout, voilà, mi-temps, mi-temps. On voit tout simplement Jordi van Rijkenhem en train de maîtriser son match. Nathan Bonafini n'a pas eu de belles occasions pour exprimer un petit peu ce qu'il veut faire. Il, tout simplement, je pense pour l'instant, Jordi fait une meilleure mi-temps. Ja, een bedrukt gezicht bij de gamer van Charleroi, de Big Smiles. Een heel ander blik bij de spelers van Zultewaardigem. Zij zijn voorlopig tevreden met de huidige gang van zaken. Nikon die nog wat extra tactische raad meegeeft en Jordi
die van ja knikt. Het gaat voorlopig goed. Ouais, je pense aussi. Hein. Là, on voit Jordi discuter beaucoup avec Nakom. Nakom qui lui prodigue des conseils. Ils essayent un petit peu de changer. Ils ont analysé plus ou moins le jeu de NB lors de cette mi-temps. Ils se disent, à mon avis, qu'ils doivent rester dans le même rythme. Ils ont tous les deux la même formation, le 4-3-2-1. Une formation qui fonctionne très, très, très bien depuis le début de cette journée. Je kan daar heel dynamisch en flux en snel mee voetballen in aanvallend opzicht. Heel leuk voor die korte tikken, die korte paasjes na elkaar te zien. Dat doet de tegenstander uit verband spelen. Buchanan is er nu wel opgekomen. À voir maintenant dans quelle position il va jouer, Tejan Buchanan. On n'espère pas que ça sera en tant que défenseur central. Hein. Er zal wel een position switch komen bij een van de spelers, Koulibaly, de Donker. En we zitten bij Gullit. Opletten nu de Bruyne. Tot bij Origi, Yaya Touré. Hier is Salemakers. Vindt hij een ploegmaat of niet? Ja, het is zoeken voor Nathan Bonafini. Ici, là, on est reparti avec Gullit. Gullit va-t-il déborder Buchanan? Oui, il garde le ballon intelligemment, il revient en arrière. Voilà, il n'y a pas beaucoup de précipitation. Attention, peut-être la perte de balle ici. Non, il a de la chance en plus. Non, il la perd finalement avec Ronaldo. De lange bal van Ronaldo, maar Koulibaly zit ertussen. We zien bij Charleroi dat Tejan Buchanan eigenlijk als rechtsback wordt uitgespeeld. Oui, il l'a mis en tant que arrière droit, latéral droit, Tejan Buchanan. Assez spécial. Je pense qu'il veut un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de percussion sur le côté. On sait que Tejan Buchanan ne sera pas un vrai arrière droit parce qu'il va alimenter les courses sur ce point-là. Et on verra peut-être un petit peu un meilleur Charleroi offensivement. Attention ici, peut-être avec l'occasion de Gullit. Attention à la frappe, non. La frappe, elle ne vient pas. Et cette fois-ci, Charleroi récupère le ballon. Ja, de Bruyne dan. Maar opnieuw wordt die paas bijna onderschept door Zultewaregem. Het is zoeken naar de ruimte voor Nathan Bonafini, voor NB. Vindt hij hem nu met Buchanan? Een van de verse krachten nu bij Charleroi. Tejan Buchanan in de connectie met Origi. Nee, nee, nee. Cap de Villa zit ertussen. Het is nog steeds zoeken voor NB. Ouais, c'est assez étrange de voir un petit peu NB forcé sur le côté de Capdevila et Rulit. Deux gros joueurs qui ont facile à récupérer le ballon. Peut-être qu'ils devraient essayer de changer de côté ou passer par l'axe où il n'y a pas ces joueurs-là qui prennent énormément d'espace. Peut-être que ça sera une meilleure solution à voir un petit peu là maintenant, peut-être non. Bijna de steekbal van Kevin De Bruyne was het daar, maar opnieuw onderschept. We zijn nu meer dan een uur ver en Charleroi blijft zoeken naar de oplossingen. Worden ze gevonden of niet? Of gaat Jordi zich voetballen naar een 2-0 voorsprong? Goeie steekbal. Hier is Trossard en er gaat geplayerlocked worden of niet? Ze wordt gecanceld. Trossard met de paas. Meunier zit ertussen. Ouais, je pense que c'était bien joué de la part de Jordi. Jordi qui est vraiment, on le sent que c'est un bon joueur. Il a le jeu posé. Il arrive à faire des player lock quand il le faut. Il arrive à tromper son adversaire. Et surtout, j'ai l'impression qu'il a vraiment très bien étudié NB. Parce que NB passe toujours du côté droit. Et sur son côté droit, il a mis Capdevila et Ruud Gullit. Ainsi que, pourquoi pas, Yaya Touré en soutien de la défense. Buchanan. In de aanval met Charleroi. Hier zit muziek in. Yaya Touré, de paas opnieuw onderschept. En dan komen ze er wel niet uit. Hier is Ronaldo. Salemakers. Ronaldo, de gelijkmaker. Tank, finish. Wow. Het staat 1-1. Ah oui, franchement, ben là, franchement, tu ne peux rien faire lorsque Ronaldo R9 tire. Et en plus de cela, il enchaîne avec le time finish vert. C'était sûr que ça devait finir au fond et être au moins cadré. Ja, de big smile is verdwenen. Nu is het wat meer sereniteit. Nu is het focus natuurlijk, want de bordjes staan in evenwicht. Nathan Bonafini met de knockout celebration. Maar voorlopig nog niemand knockout, want het staat 1-1. Ah oui, pour l'instant, c'est pas encore le knockout. C'est toujours un but partout entre les deux équipes. Voyons voir un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler juste après ce but de Charleroi. On voit qu'il y a des petits changements du côté de Jordi. Ils ont l'air un petit peu moins sereins et le sourire est revenu chez NB. Ook volle focus hoor bij Nathan, die nog wat aan het kijken is om nog wat aan te passen. Heeft zelfs nu al zijn ultra-defensieve formatie aan het aanpassen voor het idee dat hij op voorsprong nog zou kunnen komen. Maar voorlopig denken we daar nog niet aan, dames en heren. Het staat dus nu 1-1 en dit na bijna 70 minuten voetballen. Ah oui, bientôt la fin de cette deuxième période. Où on voit quand même maintenant Charleroi revenir un petit peu plus dans la rencontre, montrer un petit peu plus de choses. Peut-être que ce but va enfin libérer totalement. Mais encore une fois, il force sur le côté de Ruud Gullit et Capdevila. Et cette fois-ci, le joueur néerlandais a pu récupérer le ballon, mais bien défendu de la part de Tejan Buchanan. Il was absoluut nodig, want het was gevaarlijk na dat balverlies bij Charleroi en NB. Hier is nu Pelé, de steekbal tot bij Ronaldo. Die gaat van de bal gezet worden door Capdevila. Avec Yaya Touré ici qui trouve Kevin De Bruyne.
De Bruyne avec Amari Traoré. Va-t-il perdre le ballon? Oui, il le perd au profit de Capdevila. Capdevila qui est vraiment un très très bon joueur. Hein. Ja, en die er denk ik bij iedereen op staat op de linksback-positie. Iedereen kiest Capdevila. En ik denk dat er nog zo'n paar spelers zijn die continu terugkeren, zoals een Yaya Touré bijvoorbeeld. Dus mooi om te zien. Ah oui, mais là on voit en plus Mathias que Tejan Buchanan est en tant que défenseur central côté Charleroi. Okay. Assez spécial. Okay. Assez spécial. J'espère que pour lui, il sait ce qu'il fait. Il tente une bénée ici avec Capdevila qui va centrer et qui trouve Perisic. La passe en retrait. Mais non, le frappe, le but. Le but de Nathan Bonafini avec la bénée. La bénée, c'est-à-dire de faire partir un milieu de terrain. Le latéral a le ballon. Il centre ensuite sur le milieu de terrain qui est parti en projection, qui fait la passe ou qui tire et qui finit dans le but. Ik ben absoluut de fan van die vroege voorzetten. Het is zo onverwacht wanneer die voorzet gegeven wordt. En dan is het bijzonder moeilijk om de speler die infiltreert toch nog van de bal te houden. En dat hebben sommige spelers heel goed in de oren geknoopt. Zeker NB, die op deze manier dus wel degelijk 2-1 voorkomt. Schitterende goal. Ah ouais, comme quoi, essayer Tejan Buchanan en tant que défenseur central peut donner des idées, permet peut-être à l'équipe d'aller un petit peu plus vite vers l'avant et d'être un petit peu plus offensif, comme quoi, on sait jamais dans le football. Opnieuw aan het kijken, Nathan Bonafini, wat hij nog gaat doen. Gaat hij nu al meteen naar zijn ultra-defensive mode of niet? Heeft alleszins al klaargezet voor die formatie, dus wie weet gaat hij snel switchen, want nog maar een kwartier en nog maar 15 minuten. Ah oui, il reste très peu de temps et NB a su profiter de son temps fort pour revenir au score et ensuite prendre l'avantage. On espère voir une belle réaction de la part de Zulte Waregem, voire peut-être, sait-on jamais, une belle défense de la part de Charleroi. Rob en erover gegaan met de goal trouwens van Ivan Perisic. Geweldige kaart overall. Gullit nu met een steekbal. Ronaldo, instant reply, bijna de 2-2. Dit had voor Jordi een belangrijk momentje kunnen zijn. Ah oui, là, attention, on entre tout doucement dans les 10 dernières minutes de jeu. Et Zulte Waregem s'est procuré une énorme occasion qui n'a pas fini au fond, qui a eu malheureusement l'effet inverse pour Zulte Waregem. Attention ici, corner de nouveau pour Zulte Waregem qui est en train de monter en puissance et surtout mettre un énorme pressing à Charleroi. Hier is Diatta, mag de bal niet kwijtspelen, Diatta. Hier is De Bruyne nu, De Bruyne laterale pas, Yaya Touré. Jordi kan het overzicht niet bewaren en dan gaat er snel omgeschakeld worden door Charleroi met De Bruyne. On voit le pressing, hein. Ici on voit le pressing du côté de Zulte Waregem qui a enclenché le pressing constant. Va-t-on voir une belle maîtrise de la part de Charleroi pour contrer cela? Ici le player lock qui permet de réorienter le joueur avec Pelé. Pelé ici à l'attaque, va-t-il donner à Ronaldo? Oui, donne à Ronaldo, c'est très bien joué de la part de R9. Ici la passe pour De Bruyne! Quel beau but! La tendance a complètement été inversée de la part d'NB et Charleroi. Quel beau but! KDB viert in het shirt van Sporting Charleroi. Dat is een tafereel dat je niet alle dagen zal zien. Maar hij scoort dus wel voor Nathan Bonafini. Heeft de zaken helemaal kunnen omkeren in deze wedstrijd. Van 1-0 achter naar 3-1 voor. En eigenlijk met nog een paar minuten te gaan lijken de 3 punten op zak voor Sporting Charleroi. Ah oui, c'est déjà une très belle rencontre de nouveau, Mathias. On a vécu vraiment une journée incroyable et riche en buts. C'est ce qu'on aime voir en Pro League. En plus de cela, on voit des actions phénoménales. Phénoménal de la part des joueurs. Peut-être ici encore une fois la frappe contrée malheureusement pour Jordi. Malchance voor Zulte Waregem in die tweede helft in de afwerking. En dat zorgt ervoor dat er dus een achterstand is die niet meer gaat goedgemaakt worden. Balletje wordt nog wel gerecupereerd, maar ze gaan hem opnieuw kwijtspelen. Oh là là, c'était bien tenté ici le McGuedi cancel pour se réorienter. Crépin Diatta face à Capdevila. La passe en retrait, malheureusement bien interceptée par Origi. Ja. Match is voorbij, dames en heren. De minuut extra tijd gaat nog afgewerkt worden. Er kan nog één aanval komen voor Zulte Waregem, maar daar gaat het bij blijven. Ook deze wordt afgeslagen. Charleroi pakt meteen in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Proximus E-Pro League. Een belangrijke driepunter in groep 2. Het wint de strijd tegen Jordi en Zulte Waregem met 3-1. Ah oui, une très belle victoire de Nathan Bonafini qui réussit à renverser complètement la tendance. On rappelle qu'il était en train d'être mené 1-0 et qui a même failli être mené 2-0, mais qui a su faire les bons changements quand il le fallait. On a été surpris de la part de Tejan Buchanan, que ce soit par son positionnement en tant que défenseur central ou en tant que latéral droit. Ça a porté
Ses fruits, ça a été bénéfique pour lui et il finit par cette victoire. Alle resultaten op een rijtje. Anderlecht met Zakaria Bentato is eraan begonnen met een 2-1 overwinning tegen Sint-Truiden. Een spektakelpot tussen KV Mechelen en Club Brugge is geëindigd op 3-4 voor Rudy Ekman. Standaard met Shadow 1-2 verloren van Milan en Gent. Westerlo kreeg Billekoek van OH Leuven 1-5. KV Oostendemond met 2-1 van Union. Antwerpse Rij was ook een spektakelpot met geen winnaar. 4-4 en Sporting Charleroi-Zultenwaregem is op een 3-1 geëindigd. En dan kijk ik naar jou, Arsène. Welke wedstrijd vond jij het spectaculairst? Aujourd'hui, franchement, on a vu pas mal de bonnes rencontres. Mais je dirais que la rencontre entre le club de Bruges et je ne me rappelle plus qui c'était encore. Malines. Et Malines, voilà. Malines. Et Malines était vraiment une très belle rencontre. On a vu deux joueurs qui se connaissaient, mais on a vu quand même que Ekman était un joueur à part. Et Ekman va faire vraiment très mal, selon moi, lors de cette Hypro League 2023. Ja, wie weet wordt Rudy Ekman een belangrijke contender voor de titelrace. De titelrace die vandaag is begonnen, dames en heren, bij de Proximus Hypro League. We zijn er dus aan begonnen met onze eerste sessie samen, Nederlandstalig, Franstalig. We hopen dat jullie ervan genoten hebben. Ik vond het alleszins zeer leuk, Arsène. Ah oui, moi aussi, je te souhaite beaucoup de succès. En tout cas, moi j'ai apprécié faire ça aux côtés de Mathias. Mathias qui est un grand professionnel. Nous avons fait ça de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, on espère que vous avez profité de tous les matchs et que tous les matchs vous ont plu. On espère vous revoir de nouveau pour la prochaine journée en étant toujours aussi chaud. Ja, voilà. Dus voor volgende week kruist het in jullie agenda aan. Arsène zal opnieuw het commentaar verzorgen aan de Franstalige zijde. Aan de Nederlandstalige kant zal ik vervangen worden door Thijs Vloegberg, maar die gaat het met evenveel enthousiasme en evenveel drive doen. Ik verwelkom jullie graag de week nadien, maar jullie dus zet jullie agenda voor volgende week voor speeldag nummer 2 in de Proximus Hypro League. Ciao, ciao. Ciao, ciao.